Pour ceux qui s'investiront, croyez-moi, ils ne le regretteront certainement pas. Nous sommes sur le site du lycée Schumann à Metz, où cette année s'ouvre une section sportive arbitrage, donc ce qui est une première. Elle vient en complément de ce qui se fait déjà sur le territoire lorrain, sur les lycées à Épinal. Donc nous avons aujourd'hui en Lorraine la chance d'avoir deux sections sportives arbitrage scolaire, ce qui permet donc là, ici, à six jeunes lycéens de suivre quotidiennement 1 heure et demie de formation à l'arbitrage pour leur permettre de progresser et de développer leurs compétences plus rapidement. Comment ils ont été choisis, ces six jeunes nouveaux arbitres intégrant cette section ? Alors, ces six jeunes ont fait partie d'une liste de candidats potentiels qui se sont inscrits pour les journées de présélection en fin d'année scolaire dernière. Et puis, ils ont passé des tests de sélection, à la fois physiques, des tests d'arbitrage aussi, théoriques, mais aussi un entretien de personnalité. Et ils ont arbitré en situation des joueurs qui étaient là. À l'issue de tout ça, nous avons effectué une sélection et nous avons retenu les six profils les plus motivés. Ils doivent avoir de l'ambition, mais elle prendra forme au fur et à mesure des semaines. L'avantage, c'est qu'ils vont avoir une formation beaucoup plus poussée et accélérée, contrairement à d'autres jeunes qui voudraient se lancer dans l'arbitrage et donc qui n'auraient pas ce suivi de proximité, 1 heure et demie chaque jour. Ils vont progresser beaucoup plus vite, ça permet de franchir les échelons plus rapidement, d'arriver plus rapidement à une candidature pour atteindre le niveau régional, voire même le niveau national, comme c'est le cas avec certains élèves à la section d'Épinal. Oui, cela étant, leurs prédécesseurs ont eu pour certains déjà des trajectoires très intéressantes par rapport à l'arbitrage. Tout à fait, l'avantage de ces sections, c'est qu'on fait un travail rapproché, il y a une équipe de formateurs de qualité, et les conseils prodigués sont très nombreux. Les arbitres peuvent arbitrer différentes rencontres, des niveaux de rencontres extrêmement intéressants. Ils sont filmés, leurs analyses sont débriefées en salle. Et puis, le travail se fait en salle, mais aussi sur le terrain, ce qui leur permet de progresser très rapidement et ainsi de franchir les étapes plus facilement. Comme je le disais, souhaitons-leur maintenant de suivre le parcours de jeunes qui les ont précédés et qui ont, pour certains, réalisé des performances fantastiques sur différents types de compétitions comme les compétitions UNSS avec des finales de championnat de France, voire même des finales de championnat du monde au Brésil pour certains, ou alors les finales du Jean Leroy qui se déroulent à Clairefontaine, voire même l'Eurofoot qui a eu lieu l'an dernier à Lille avec la participation encore de deux élèves de section sportive de jeunes lorrains. Donc voilà, souhaitons-leur de suivre ces trajectoires de manière à vivre un petit peu de plus près leurs ambitions et leurs rêves. On a choisi les meilleurs formateurs qui eux-mêmes ont reçu le cursus de formation au niveau de notre fédération et qui vont pouvoir restituer, je dirais, leur savoir et leur expérience auprès et accompagner ces jeunes dans leur je dirais, parcours qui démarre aujourd'hui et puis que l'on retrouvera dans quelques années peut-être sur les terrains nationaux. On peut saluer l'engagement de ces jeunes parce que l'arbitrage, on le dit souvent, c'est une formidable école de vie. Et puis, il y a une aventure exceptionnelle à vivre pour eux aussi, même si certaines difficultés seront peut-être là. Pour avoir un petit peu suivi ce parcours, je sais que ça aide beaucoup dans la personnalité, dans la responsabilité, et puis quoi aussi dans la tolérance qu'on doit avoir avec les autres. Mais aussi, je crois, ça aide, je dirais, dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Arbitrer, décider, prendre, je dirais, des initiatives, ce n'est pas donné à tout le monde. Je crois que ces jeunes ont cette volonté d'acquérir justement les valeurs de l'arbitrage pour accompagner, je dirais, notre discipline au plus haut niveau. Ah, déjà, c'est en complémentarité d'une section de foot, football qui prend vraiment de l'ampleur encore. Elle a 40 ans. Donc elle est bien installée, elle a à peu près 50 personnes, 50 membres. Et donc ça donne aussi pour les arbitres l'occasion de connaître des mises en situation extrêmement intéressantes. Je pense quand même que pour des jeunes, être mis en situation, eux qui doivent analyser, qui doivent avoir le recul nécessaire et qui doivent prendre la bonne décision, je trouve que c'est une mise en situation tout à fait intéressante. Et c'est le projet éducatif aussi, formation à la citoyenneté, l'engagement, la solidarité. Je pense qu'il y a de belles valeurs qui sont développées.
Alors il y a un point qui a été souligné par les différents intervenants, c'est la nécessité de combiner effectivement une passion, l'arbitrage, mais surtout une discipline scolaire qui est importante et eh bien, les études, ça reste la clé de voûte du système. C'est sûr que c'est un double parcours dans lequel il s'engage et il n'y aura de réussite que si le double parcours est réussi. Et c'est vrai que ça nécessite beaucoup de persévérance, ça demande du travail, de l'organisation. Et c'est vrai qu'il y a quand même des équipes qui sont là pour les épauler, les réconforter le cas échéant, les pousser, faire un coup de gueule pédagogique si c'est nécessaire ou éducatif. En général, c'est quand même extrêmement motivant et avoir des sportifs dans les classes, c'est tout à fait porteur et dynamisant. Justement, qu'est-ce que ça apporte à un établissement comme le vôtre de s'ouvrir aux disciplines sportives, en l'occurrence au football et à l'arbitrage? Déjà, c'est quand même une ouverture d'esprit. Puis on a affaire à des gens passionnés, à des gens qui sont engagés, donc des personnes qui ont du caractère. Ils ont du caractère, la motivation, le fait qu'ils soient motivés, ça imprime un rythme dans les classes. Et c'est vrai qu'on a choisi de faire en sorte que l'ensemble de nos sportifs, par exemple en classe de seconde, sur nos 9 classes de seconde, on a 7 classes qui ont des sportifs et les autres classes sont mobilisées, elles aussi, mais par un autre projet. Donc je crois beaucoup au projet et à l'engagement personnel, à l'engagement d'équipe.